Bienvenue à cette 18e assemblée de la Caribbean Millers Association sous la bannière « Rendre la farine accessible ». Ces thèmes sont une priorité pour mon gouvernement. La sécurité alimentaire d'un côté et le développement de la production nationale cheville aux opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement avec les entreprises et les États de la région. Nous devons travailler ensemble sur l'intégration régionale en association, en s'organisant pour mieux faire face aux menaces mondiales. Et en le faisant, nous sommes plus forts comme région. Dans cette optique, mon gouvernement a accordé la plus grande priorité au secteur primaire en promouvant l'agriculture commerciale. Nous devons continuer à supporter nos producteurs pour qu'ils aient une part juste de la valeur ajoutée. À cette fin, nous avons investi dans la construction d'infrastructures agricoles en Haïti. Et nous travaillons d'arrache-pied tous les jours pour promouvoir les partenariats publics-privés, pour soutenir ce secteur. Avec les partenariats publics-privés, nous pensons que ceci représente une complémentarité aux carences inhérentes à l'État en introduisant le secteur privé. Ce gouvernement a fait d'une priorité d'attirer des investisseurs nationaux, les encourager et les supporter et d'attirer des partenariats étrangers pour venir soutenir cette stratégie de développement. Entre 2011 et 2013, les investissements publics annuels moyens ont été de plus de 21 millions de dollars américains dans l'agriculture et, le produit intérieur brut du secteur a augmenté de 2,9% en 2012. Puis de 4,9% en 2013. Le président Martelly a récemment inauguré la première zone franche agricole du Nord-Est, un partenariat public-privé qui permettra l'exportation d'environ 10 conteneurs de bananes organiques par semaine. Nous travaillons également au renforcement des mesures phytosanitaires et la traçabilité des produits agricoles indispensable au commerce extérieur.